Depuis 2018, la ville de Paris et le groupement Paris to Connect testent une infrastructure urbaine et connectée, destinée à répondre aux enjeux de la ville durable. L'un des objectifs prioritaires est d'améliorer la sécurité et les conditions de circulation de tous les usagers de la voirie et de prendre en compte les nouvelles mobilités autonomes. Pour ce faire, un dialogue entre l'infrastructure et les usagers de la voirie est nécessaire. On parle de système coopératif de transport intelligent, ou CITS. Les données issues des infrastructures ainsi que des usagers sont collectées par la plateforme expérimentale d'Orange, qui gère l'échange des flux selon des modalités définies par les usagers et l'opérateur, tout en respectant le règlement sur la protection des données privées. Par ailleurs, grâce à cette plateforme et au croisement des informations collectées, de nouveaux services à forte valeur ajoutée peuvent être développés sans devoir démultiplier les moyens et les solutions techniques. Pour sécuriser l'usage de l'espace public en tenant compte des nouvelles mobilités, protéger les usagers vulnérables de la route et réduire les accidents en anticipant les dangers, le groupement Paris to Connect ambitionne de développer un système d'alerte en temps réel qui diffusera des avertissements de dangers potentiels grâce à l'analyse prédictive des trajectoires. La première étape consiste à collecter, grâce à des capteurs, des données permettant d'analyser les situations, formes et dimensions d'objets, leur position et vitesse de déplacement, la phase du feu tricolore et le temps restant avant le prochain changement d'état. Un premier traitement permet de classifier l'objet, piéton, voiture, vélo, camion. Ensuite, une intelligence artificielle développée par Orange prédit les trajectoires des différents objets en mouvement et génère une alerte en cas de danger. Ces alertes peuvent être utilisées par des objets dotés d'intelligence de traitement tels que les véhicules autonomes ou dans une application comme un système de guidage de personnes aveugles ou malvoyantes ou via un smartphone par un piéton. Dans une perspective de déploiement opérationnel à grande échelle, la performance de la connectivité 5G, associée à des fonctionnalités de traitement proches des usagers, offrira des solutions adaptées à des situations complexes impliquant de nombreux usagers. Ce sera la garantie d'une assistance avancée de sécurité à la conduite grâce à une latence réduite et une fiabilité accrue.